sale histoire, je vais vous la narrer, les gars. Je suis sûr, vous allez vous marrer. Attention, je vais démarrer. Si vous êtes prêts, je démarre. J'étais chez moi dans ma baraque, au bord du lac, au bord de l'eau. À ne rien faire, à ne rien dire, à la rigueur, à me gratter les couilles. J'avais mangé un petit plat de nouilles avec des clanches de citrouille. J'avais l'air d'une belle andouille, j'écoutais courroisser les grenouilles. La vie est dure, les femmes sont chères, on se débrouille. Je suis donc allé me coucher, il faut apprendre à digérer. Après avoir bien mangé, je suis donc allé m'allonger pour essayer de me reposer. Je crois que c'est tout à fait normal. Subitement, j'entends frapper. Qui ose ainsi me déranger quand j'essaie de me reposer? Qui ose ainsi me perturber quand j'essaie de me relaxer? Je m'en foutais, je voulais rester chez moi. À regarder mes coqs sauter mes poules. À regarder mes boucs draguer mes chèvres. À me farfouiller les narines. À me remuer le bout des orteils. À regarder les mouches tchétché voler. À écouter chanter les moustiques. Car à côté de ma baraque au bord du lac, il y avait tout un orchestre philharmonique de moustiques et d'anopelles qui exécutaient à merveille l'hymne du paludisme. Et moi j'aimais écouter ça en solo, all alone, tout seul. Et dan, et dan, et dan, et dan. Nerveusement je me suis levé vers la porte, je me suis dirigé. Et là j'ai vu que c'était Salomé. J'ai vu que c'était Salomé. Un petit blue jean bien serré. Peut-être bien pour m'exciter. Mais moi sur le coup je m'en foutais. Je voulais rester chez moi. À ne rien faire, à ne rien dire. À ne rien faire, à ne rien dire. À la rigueur à me gratter les couilles. D'un temps que je lui ai demandé, hey, dis-moi ce qui t'amène. Dis-moi ce qui t'amène comme ça chez moi. Hein, oh, hein. N'est-ce pas vous les filles, vous le dites, que nous les hommes on ne se sent pas bien. Quand on est chez nous tout seul, à ne rien faire, à ne rien dire. Moi bizarrement je me sens aussi bien. Quand je suis chez moi tout seul, à ne rien faire, à ne rien dire. À la rigueur à me gratter le cou. Alors dis-moi ce qui t'amène comme ça chez moi. Hein, oh, hein. Salomé était restée bouche bée. Elle pouvait dire quoi? À rien du tout. Une fille ainsi pagotée, c'est très facile à deviner ce qu'elle était venue chercher. Mais moi sur le coup je m'en foutais. Je voulais rester chez moi. À ne rien faire, à ne rien dire. À ne rien faire, à ne rien dire. À la rigueur à me gratter les coudes. Et comme je suis un gars bien élevé, j'ai laissé entrer Salomé. La suite vous la devinez. Parce que vous êtes des vieux habitués. Habitué des situations compliquées. Mais ce qui m'a énervé, Salomé, qu'elle a raconté un peu partout dans le quartier que je n'avais pas assuré. Et c'est vrai que je n'avais pas assuré. Et ça, tout le quartier le sait. C'est parce que j'étais fatigué. Je n'étais même pas concentré. Je n'étais pas très inspiré. Salomé était très mal parfumée. Elle sentait du poisson braisé. Et moi je n'aime pas le poisson braisé. M'a dit Mingwas, Mingwas. Loco passe, hein? Passe. Loco va me passer, sauce. Ben la sauce, sauce, la sauce. Hein? Jaloux. En réalité, c'est parce que c'était Salomé. Si ça avait été Dorothée, c'est vrai, les choses auraient changé. Mais comme ce n'était que Salomé, sur le coup, je m'en foutais. Je voulais rester chez moi, à ne rien faire, à ne rien dire. À ne rien faire, à ne rien dire. À la rigueur, à me gratter les couilles. À la rigueur, à me gratter les coudes. À me gratter la peau du cou.